Christophe Lagos tiene un magíster en Economía del Desarrollo de la Universidad de Auberia, de Francia. Es jefe sector de Agricultura Sostenible, Dirección General de Asociaciones Internacionales en la Comisión Europea y ha estado destinado en varias delegaciones de la Unión Europea, por ejemplo, en Mauricio, en Madagascar, en Sudáfrica. Regresó a la Gerencia, a la Gerencia General para el Desarrollo y la Cooperación Internacional Europe Aid de la Comisión Europea en Bruselas en septiembre del 2016 y dirige el sector a cargo de la agricultura sostenible que incluye innovación e investigación en la agricultura. Es responsable del programa Development of Smart Innovation Through Research in Agriculture para África. Dear Christophe, whenever you want, the floor is yours. Buenos días. Y muchas gracias por la invitación. Puedo hablar un poco español, pero voy a hablar en francés hoy. ¿Él sabe que le he presentado o no? Muchas gracias por su... Sí. Tout d'abord, remerciements aux organisateurs et co-organisateurs de cet événement et les, bien sûr, les différents intervenants de... We can't hear you. Ah. Est-ce que vous... Désolé. There is a round. Est-ce que vous pouvez m'entendre? On vous entend parfaitement. Je pense que... Ok, it seems that we... lo podemos escuchar por los auriculares, ¿correcto? Voilà, je peux commencer? Pas de souci, très bien. Voilà, je vais m'exprimer en français si possible. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Parfait, merci beaucoup. Merci aux organisateurs et co-organisateurs de ces journées. Un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Aussi en ayant entendu les propos du directeur de l'AECID sur l'engagement de l'agence espagnole sur cette thématique de l'agroécologie. Je voudrais commencer par peut-être un petit détour sur le sujet même de ce panel, d'une réponse scientifique à la crise alimentaire mondiale. Peut-être un premier point pour moi qui est important, c'est qu'effectivement on parle de crise, mais c'est très clair qu'il s'agit d'évolutions structurelles que nous vivons en matière d'insécurité alimentaire, de changement climatique, de perte de biodiversité. Et ces changements structurels sont amplifiés par des crises comme celles qui ont été mentionnées ce matin, l'agression de la Russie à l'égard de l'Ukraine et des impacts directs et indirects de la pandémie que nous avons traversée et qui est encore là. Donc, parler de crise, c'est important puisque ça peut permettre d'accélérer les réponses en termes de les réponses des différents acteurs. Mais je pense que c'est important aussi de ne pas oublier qu'on est plutôt dans des changements structurels. Et rien que la référence à l'insécurité alimentaire nous montre que la situation se dégrade déjà depuis un certain nombre d'années. Donc, parler de crise doit être positionné dans une vision plus large. Et aussi, parler de crise alimentaire au singulier
Je pense que c'est certainement un peu réducteur parce qu'on voit bien que chaque pays fait face à des crises spécifiques, y compris des crises alimentaires spécifiques. Et donc, parler de crise alimentaire, ça nous impose de, avant tout aussi de s'intéresser aux contextes locaux qui sont souvent très spécifiques. Donc, si on est dans une perspective de parler d'évolution structurelle et de prise en compte des contextes locaux, il me semble que ça donne une véritable opportunité pour parler et avancer dans l'agenda des transitions agroécologiques qui nous permettent enfin, si je peux me permettre, de nous intéresser à la résilience des systèmes agroalimentaires, de penser non seulement en termes de production, mais comme le mentionnait l'intervenant avant moi, aussi de consommation. Donc avant d'aller un peu plus loin sur l'approche de l'Union européenne dans sa dimension externe, je ne vais pas me référer aux éléments de l'agenda européen en intra-européen, et l'intervenant précédent a donné d'une certaine façon une perspective espagnole dans cette dimension-là. Donc je me concentrerai sur ce qu'on essaie de porter en dehors des frontières de l'Union européenne. Mais avant de revenir à ça, je voudrais peut-être quand même faire un point rapide sur la façon dont l'Union européenne organise sa réponse aux crises auxquelles on fait face et aux crises alimentaires. D'abord, il y a un point important dans la réponse européenne, c'est une approche en équipe Europe, comme on l'appelle, et qui s'articule sur quatre piliers principaux. Un pilier de solidarité qui prend forme à travers de l'aide d'urgence, de l'aide humanitaire et de l'aide macroéconomique dans un certain nombre de pays. Un pilier de production avec une attention explicite à la dimension production durable et production locale, évidemment. Il y a un pilier commercial avec les différentes initiatives comme les lignes de solidarité qui ont été mises en place dans le cadre de la guerre en Ukraine. Et un pilier important pour l'Union européenne qui est celui du multilatéralisme. Tout ce qui peut aider à travers l'intervention des agences internationales pour traiter de questions allant de la transparence à l'information sur certains flux de stock importants pour traiter des questions de sécurité alimentaire mondiale. Donc, pour accompagner cette approche équipe Europe, on mobilise des ressources substantielles dans le cadre du budget européen pour l'action extérieure. De l'ordre de 7,7 milliards d'euros sur la période 2021-2024, dédiée à des actions de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et d'appui à l'agriculture durable, mais aussi des moyens supplémentaires liés vraiment à la réponse à la crise en cours, avec une décision plus récente d'un montant de l'ordre de 600 millions d'euros pour les pays relevant de l'accord de Cotonou, les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, et une enveloppe spécifique aussi pour les pays de la Méditerranée de 225 millions d'euros. Donc, une réponse qui s'inscrit dans la durée à travers une programmation de nos fonds réguliers sur la période 2021-2024, mais aussi un effort supplémentaire de mobilisation de ressources additionnelles dans le cadre de la réponse à la crise. Donc, l'équipe Europe, c'est aussi des partenariats, évidemment, des partenariats avec les États membres de l'Union européenne, des partenariats avec les institutions financières internationales, mais y compris les institutions financières de l'Union européenne, comme la Banque européenne d'investissement. Et tout ça porté par une stratégie d'investissement que l'on a articulée à travers cette initiative que l'on appelle le Global Gateway. Donc voilà ce que je voulais simplement repositionner comme contribution actuelle de l'Union européenne. Et je voudrais maintenant revenir au sujet plus en phase avec le panel de ce matin.
Et pour dire tout d'abord que si l'Union européenne répond présente dans cette crise, c'est intéressant pour nous, et dans le cadre de la discussion d'aujourd'hui, de voir de quelle façon elle y répond à travers une attention sur les approches agroécologiques. En étant relativement honnête, on peut reconnaître que nous partons certainement d'assez loin hein, dans l'attention à l'agroécologie dans nos partenariats internationaux et dans nos programmes d'appui aux pays tiers. Il y a différentes études hein, qui ont été faites au cours de ces dernières années qui ont montré une part relativement modeste de l'agroécologie dans nos portefeuilles, par exemple, avec les institutions internationales romaines. On peut bien sûr avoir des discussions sur la méthodologie, la définition appliquée, etc. Mais au-delà de ça, c'est un constat d'un positionnement de l'Union européenne jusqu'à récemment, peut-être limité sur les approches agroécologiques. Elle n'était pas inexistante pour autant, mais pas certainement à la hauteur de ce qu'elle pourrait être et ce qu'elle devrait être. Mais ce qui est important pour nous aussi, c'est de pouvoir montrer comment on est en train d'accélérer très substantiellement l'attention qu'on porte aux approches agroécologiques. Ça s'est fait par différentes étapes. Une importante, je pense, c'est effectivement cette initiative qui a été mentionnée quand on m'a introduit à ce panel, l'initiative Désira, qui est une initiative qui a cherché à renforcer la mobilisation des capacités de recherche internationales et européennes dans l'accompagnement aux politiques agricoles et à nos programmes d'appui agricole dans les pays tiers. C'est une initiative significative qu'on a lancée en 2017 seulement, mais qui a eu un effet, je pense, assez substantiel pour renforcer nos partenariats, y compris nos partenariats avec les États membres de l'Union européenne, y compris avec l'Espagne d'ailleurs, pour accompagner, pousser cet agenda de l'agroécologie par la mobilisation des capacités de recherche. Nous avons aussi pu récemment porter cet agenda de l'agroécologie dans un certain nombre d'enceintes de recherche internationale dans lesquelles nous sommes impliqués et où on se retrouve aussi avec un certain nombre d'États membres de l'Union européenne. Par exemple, au sein de ce réseau international qui s'appelle le CGIAR, un réseau d'une dizaine de centres de recherche internationaux, qui a développé récemment un portefeuille plus intégré de recherche et qui a intégré dans son portefeuille une initiative explicite sur l'agroécologie, mais qui a aussi développé d'autres initiatives qui sont en cohérence avec l'agroécologie. Donc, et ça, c'est un produit de notre implication, pas seulement de l'Union européenne, évidemment, mais avec une implication forte de nous-mêmes dans ce processus, pour soutenir, évidemment, cet agenda de recherche sur l'agroécologie. La Commission européenne a aussi, comme l'Espagne, j'entendais, rejoint la coalition sur l'agroécologie, qui résulte des discussions du sommet sur les systèmes agroalimentaires des Nations unies. Et on s'organise pour appuyer de façon assez substantielle le secrétariat de cette coalition et de ces différents groupes de travail. On est aussi dans une dynamique assez intéressante, je pense, de renforcement de nos partenariats avec des acteurs de financement internationaux de l'agriculture. Le directeur de la SID a mentionné à plusieurs reprises le FIDA, le Fonds international pour le développement agricole. Nous sommes dans un dialogue fort avec le FIDA qui s'intéresse et qui va accompagner dans un certain nombre de pays des actions qui vont renforcer la dimension agroécologique de programmes mis en œuvre par le FIDA ou des programmes conjoints entre l'Union européenne et le FIDA, qui va accompagner aussi
une certaine transformation des systèmes de conseil agricole pour une meilleure prise en compte de l'agroécologie dans les services agricoles, les services de conseil agricole. Donc, nous sommes dans cette dynamique de travailler de façon étroite avec les acteurs du financement de l'agriculture, dont l'agriculture a bien besoin, évidemment. Et on commence à voir de façon substantielle des références de plus en plus explicites à l'agroécologie dans un certain nombre de nos réponses pays aussi. Et bien sûr, dans l'accompagnement de certains agendas d'intégration ou de coopération régionale, comme on le fait déjà depuis quelque temps avec la région de l'Afrique de l'Ouest et la CDAO. Ce qui est important pour nous aussi dans tous ces débats sur l'agroécologie et la contribution à la durabilité des systèmes agroalimentaires, c'est de s'assurer que dans les pays partenaires de l'Union européenne, des capacités d'analyse et de recherche sur ces sujets soient accompagnées. Et on est en train de travailler assez étroitement avec un certain nombre de réseaux de recherche agricoles en Afrique pour mettre en place des capacités de type centre d'excellence sur l'agroécologie pour que les partenaires africains, en l'occurrence, puissent avoir une voix dans ces débats et puissent être en collaboration avec des acteurs internationaux et européens. On a aussi porté une attention forte au rôle des organisations paysannes sur la transition agroécologique. Et on a développé récemment une initiative, toujours dans le cadre de cette action des IRA, une initiative avec un certain nombre d'organisations paysannes des Caraïbes, du Pacifique, d'Afrique, pour outiller les organisations paysannes dans des capacités d'analyse et de recherche, de dialogue avec les institutions de recherche, sur des questions très concrètes, liées parfois à des chaînes de valeur, où des demandes et des interrogations sont posées par les organisations paysannes pour essayer effectivement d'aller vers des productions beaucoup plus durables. Et peut-être, avant de conclure, faire une référence rapide à la réponse que l'Union européenne propose face à la crise sur les engrais. Je vous invite à consulter une communication, donc un document de politique dans le jargon de l'Union européenne, qui vient d'être publié hier sur la réponse de l'Union européenne à la crise sur les engrais. C'est une réponse qui est fortement concentrée sur les dimensions internes, mais qui a aussi intégré des éléments importants dans le rôle et l'accompagnement de l'Union européenne en dehors de ses frontières. Et vous verrez, je pense, dans ces réponses, l'ambition de, certes, de ne pas exclure ou minimiser le rôle, l'importance du rôle des engrais dans la production agricole, mais aussi le besoin de porter une attention beaucoup plus forte à la gestion durable de la fertilité des sols. Et dans cette réponse et dans ces propositions, il y a de la part de l'Union européenne propositions, enfin en tout cas des suggestions d'intervention qui permettent de valoriser la contribution des pratiques, en l'occurrence des pratiques agroécologiques, pour répondre de façon durable à cette question de la gestion de la fertilité des sols. Donc, un certain nombre d'exemples pour partager avec vous l'attention de plus en plus forte et à travers différents points d'entrée de notre part dans les dialogues et dans les partenariats avec les pays tiers sur l'agroécologie. Et pour conclure, je voudrais simplement dire que je pense que la science nous montre de plus en plus et toujours un peu plus
tous les jours. Comment l'agroécologie fait partie effectivement des solutions à la résilience et la durabilité des systèmes agroalimentaires. Tout en ouvrant, je pense, des débats importants pour aller au-delà du seul agenda de la production. Important, il faut produire certainement plus, certainement mieux. Surtout qu'on voit souvent que, en fait, on produit déjà beaucoup, on produit déjà trop parfois. Donc, s'il n'y a pas que une question de quantité de production, hein, loin de là. Le temps où l'agroécologie était parfois un peu caricaturée comme une simple idéologie me semble assez dépassé. Elle est effectivement une science, et pas seulement, on sait bien que ce n'est pas seulement une science, mais elle est une science. C'est une science de la complexité, qui est une science des systèmes, comme l'a souligné le précédent intervenant. Elle est puissante, elle est riche, pour nous permettre ensemble de trouver des solutions à la durabilité économique, sociale et environnementale. Et sans nécessairement être dans les jeux, des logiques peu parfois brutales d'arbitrage. Il y a des moyens d'articuler ces différentes dimensions de la durabilité. Et pour faire ça, notre perspective est certainement celle d'une agroécologie ouverte à la science, ouverte à la technologie, au digital, ouverte au marché, mais en phase avec les éléments et les principes qui ont pu être développés plus récemment. Donc voilà, je m'arrêterai là.